Je vais avoir maintenant l'infini plaisir d'accueillir pour une seconde partie tout à fait différente un immense auteur qui est surtout pour moi un très grand ami, un ami de longue date, François Skuyten, qui va vous parler de l'album de... Il faut que je retrouve ma petite flèche, moi. De l'album de Franquin, Quéren sur Bretzelburg. Je ne ferai pas l'insulte à François Skuyten de le présenter longuement. Alors, je vais vous parler donc d'un livre qui m'a toujours fasciné, qui m'a accompagné. C'est un de mes premiers livres, quoi. Le premier que j'ai acheté, je crois. Il est sorti en 66 et j'avais 10 ans, je crois. Et j'ai voulu un petit peu, par cette image, représenter ce qui se passe dans ce livre, des personnages qui sont à l'avant d'André Franquin, avant, à l'avant de leur auteur, un auteur inquiet qui se retourne. Et ces personnages savent sans doute déjà des choses que l'auteur ne sait pas. Et c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé dans ce livre, c'est comment un livre peut cristalliser un ensemble de choses sans peut-être que l'auteur ne sache réellement, ne le domine pas. C'est un petit peu pour ça que ce livre est un livre incroyable. C'est un livre de crise aussi. Il y aura un avant et un après, QRN, sur Bretzelburg. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous raconter. Avant ça, il faut parler de l'auteur et de son œuvre, du dessinateur extraordinaire qu'il a. Benoît a parlé du rapport à la case. Alors, chez Franquin, il y a évidemment un jeu avec la case, mais il y a un jeu aussi dans la case. Il aime énormément nourrir ses images. C'est ce qu'on appelle un dessinateur généreux. J'ai toujours été frappé. J'ai rencontré quand même quelques fois, il m'a beaucoup parlé de ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il voulait en donner à ses lecteurs. Alors il y a évidemment des difficultés à mettre beaucoup de détails dans une image. Il y a une gestion du détail qui parfois peut faire qu'on s'embrouille et les images deviennent un chaos. Franquin a une très très bonne gestion du regard du lecteur. Il sait comment le conduire, il sait organiser l'espace de la case. Ici, ce qui est formidable, c'est de voir comment il va concentrer tous ses phylactères avec des petits détails extrêmement précis dans les coins des cases, et en favorisant évidemment des avant-plans et en libérant des espaces blancs pour que l'œil évidemment s'attarde sur la voiture de Gaston et de cet insecte géant qui est vraiment la fin du gag. Et quand on voit comment il nourrit son dessin, j'aurais pu encore zoomer indéfiniment dans cette case, tellement qu'il y a de choses à voir, tellement qu'il y a de petits détails qui racontent. Et ça, c'était une de ses forces. Il sait en même temps synthétiser, vous voyez sur la gauche, il crée presque l'ombre de la maison. Il sait qu'il ne faut pas non plus surcharger. Le rapport entre les blancs, les détails et les silhouettes, c'est vraiment tout son art, et c'est l'art de la bande dessinée, parce qu'il veut non seulement il veut faire rire, c'est une des premières missions qu'il se donne, il en parlait beaucoup, il veut que ce soit rigolo, mais il veut aussi que ce soit plein de petites choses qui permettent au lecteur de revenir sur la case, de revenir sur l'histoire. Et c'est une des particularités de son œuvre, c'est que chez Gaston et dans bien d'autres albums, on a toujours envie d'y revenir, parce qu'on croit toujours qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Et ça, c'est pas la moindre des qualités. Vous voyez, on peut plonger, je pourrais encore plonger plus loin, tellement qu'il y a des choses surprenantes et amusantes à découvrir chez lui. Et bon, alors, c'est un dessinateur incroyable, parce que quand il dessine des volets, quand il dessine une cheminée, tout est tellement juste, tout est tellement observé. Une poubelle en quelques traits, elle est là, elle existe, elle est présente. Et puis, aussi, il y a cette gestion du blanc. Et pour un dessinateur compulsif, c'est un dessinateur compulsif, mais c'est un dessinateur compulsif extrêmement intelligent, puisqu'il sait à un moment donné s'arrêter et laisser passer le vide pour que l'œil aille vraiment là où il faut. Alors bon, ça fait aussi quelques demi-planches d'anthologie. On voit tout le travail sur le mouvement. Il faut dire qu'au départ, Franquin a une formation, il est passé par l'animation
pas longtemps, mais enfin, ça doit sans doute le marquer. Il voulait aussi entrer chez Disney. Donc il y a une véritable fascination pour le mouvement. On le voit comment l'agent Lontarin se débat avec ce tuyau qui propulse de la couleur bleue. Il y a tout un jeu sur ce bleu. Évidemment, à l'époque, il y avait des zones bleues. Hein, on est dans les années 60. Je crois que ça n'existe plus. Bon, pour le parking, etc. Ce qui est remarquable dans cette dernière image, c'est le rôle, ce qui se passe, ce qui est séquentiel dans l'image elle-même. Donc, tout un jeu, évidemment, sur le bleu qui a arrosé l'ensemble tout autour. Et Gaston a été protégé. Ça, c'est vraiment très, très drôle, comment il joue avec la couleur. Mais aussi, comment la séquence, elle est encore là. Elle se poursuit, puisqu'on voit comment le vélo a été touché, la voiture, et la personne, le responsable du magasin, qui sort. Et en fait, là, il y a quand Benoît parlait de séquences, il y a des séquences et des séquences dans l'image. Il veut absolument nourrir, donner. C'est un auteur généreux. C'est un auteur généreux, et ça, c'est ce qui fait qu'évidemment, il nous frappe et il nous interroge. Alors, c'est un dessinateur compulsif parce qu'il dessine tout le temps. Je me rappelle, j'étais chez Maurice Thilleux quand j'étais très jeune, et il y avait des dessins comme ça de Franquin et qu'il avait fait la veille. Ils avaient passé la soirée la veille. Il m'en a donné un, d'ailleurs. Et en fait, Franquin n'arrête jamais. Il dessine continuellement. Il dessine en regardant la télévision. Il est toujours en état d'observation. Et c'était passionnant de parler avec lui parce qu'on a l'impression qu'il ne pouvait pas s'arrêter d'imaginer un gag ou d'imaginer un dessin. Je ne sais pas si tu te souviens, Benoît, mais on était dans un restaurant chinois et il était à une autre table. Il nous a demandé de me proposer de le rejoindre. Il était avec sa femme, Liliane. Et alors, tu discutais avec Franquin, je discutais avec sa femme. Et à un moment donné, je disais à sa femme, mais qu'est-ce qu'il a dû travailler, votre mari ? Et elle a levé les yeux au ciel en disant, vous ne vous imaginez pas. Et c'est vrai que c'était un dessinateur qui ne s'arrêtait jamais. On pourrait reprendre l'idée que c'était une machine à dessiner. Et c'est un peu le dessinateur des dessinateurs. Je ne connais pas un dessinateur qui n'aime pas André Franquin parce qu'il sait tout faire. Et il le fait, bon, par exemple, là, vous voyez ses esquisses, ses croquis. Je crois qu'il y a des gens qui pleureraient pour avoir ses poubelles, parce qu'il jetait des tas de merveilles. Le jour où il a déménagé, d'ailleurs, il était assez agacé, parce qu'il y avait beaucoup de collectionneurs qui traquaient la sortie des poubelles. Et ici, on voit bien, il cherche. C'est un chercheur. Et c'est ça qui est très, très beau chez lui. Et alors, ce qui est vraiment décourageant pour tout dessinateur, c'est qu'il dessine aussi bien les animaux qu'il dessine une voiture. Or, c'est quand même le spectre le plus large. Ça a passé de savoir croquer un animal, il dessine les éléphants mieux que personne, les girafes, etc. Et quand il dessine une voiture, il y a une pureté, il y a une justesse, et en même temps, elle est vivante. Il n'y a personne qui peut rivaliser avec les voitures de Franquin, jusqu'au fait qu'il en invente certaines. Donc, c'est vraiment... c'est terrible. Et en plus, c'est un dessinateur réaliste. Il est capable... En fait, tous les grands dessinateurs, que ce soit humoristiques ou comme Hergé, Uderzo, sont aussi de très grands dessinateurs réalistes. Il y a de très, très beaux dessins de nus, de très, très beaux dessins réalistes de chevaux. On voit bien qu'il part de l'observation. Ce travail d'observation est toujours là chez lui. C'est ce qui fait aussi que son œuvre évolue et se nourrit tout le temps. C'est un dessin inachevé. Comment est-ce qu'on peut laisser un dessin aussi beau, inachevé ? Incroyable, on voit le médecin en train de faire une ordonnance à un patient un peu inquiet sur ce qui est en train de lui arriver. Mais tous les petits détails, c'est pour ça qu'on peut s'y attarder, la table avec tout ce qu'il y a autour, le chat qui tourne autour du médecin, et le médecin assez à l'aise, rieur. Bon, voilà, chose incroyable. Toutes les choses comme ça, un peu inachevées, qui mettent sans doute nourrir ces poubelles. Et puis, c'est un dessinateur qui, ça on va le voir avec QRN, c'est un dessinateur qui vraiment est un homme de son temps, et qui capte son époque, qui capte les signes de son temps. L'architecture, on le sait, il a dessiné le style
le style Atome ou le style des années 60 mieux que personne. Et il s'est synthétisé, il a comme ça une capacité à faire une image extrêmement efficace. Ici, c'est un haut de page de Spirou, et il y a vraiment une espèce d'évidence dans tout ce qu'il fait. Alors, quand je dis que c'est un dessinateur fou, compulsif, il se lance des défis absolument incroyables. C'est à se demander quand il a le temps de faire tout ça. Et ça, il a fait plusieurs couvertures pour le Spirou au moment de Noël. Celle-ci m'a beaucoup intéressé parce que c'est un peu un moment. C'est un moment, il y a un petit peu de la poésie dans ce moment-là. C'est la veille de Noël, il a neigé et juste après la neige, les gens parcourent la ville et il y a toutes ces traces dans la neige qui racontent évidemment ce moment un peu rare. Alors il met ses copains, on voit, il vend des portes, il y a quelqu'un qui dessine, on voit à travers la fenêtre de la toiture. Enfin, c'est bourré de petits détails qui fait que le lecteur peut s'attarder indéfiniment, peut se perdre, peut s'aventurer. Mais si on va un peu plus loin, on voit qu'il y a déjà des petites choses étonnantes qui fait que ce n'est pas seulement un auteur pour enfants, qui n'est pas seulement un auteur qui fait rire, parce que si vous voyez tout en haut, vous voyez que les traces, à un moment donné, elles mènent au canal. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé la veille de Noël. C'est étonnant d'introduire ça dans un journal pour enfants, et là on est au milieu des années 50. Franquin travaille comme un fou, on se demande comment c'est humainement possible. Il travaille, évidemment, il a Spirou et Fantasio, il a lancé Gaston, mais il a, à cette époque-là, il a, par un désaccord avec son éditeur Dupuis, il est passé chez. Il a commencé une série chez Au Lombard, qui est Modeste et Pompon. Donc, c'est humainement inimaginable. Hergé a d'ailleurs des périodes comme ça, on se demande comment c'est possible qu'ils aient autant dessiné dans leur vie. Évidemment, ça va aussi avoir certaines conséquences. Alors, QRN sur Bretzelburg. Un titre pareil, je suis certain qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui diraient « c'est pas sérieux, on n'en vendra pas un avec un titre comme ça, c'est imprononçable, c'est incompréhensible, et qu'est-ce qui vous a passé par la tête ?» On pourrait trouver plus simple, et déjà, et encore là, il y a des moments où il a animé le QRN, il y a plusieurs typos, enfin, c'est un cas d'école ce titre, et tout le livre, d'ailleurs, est troublant. Je me rappelle ces premières éditions en 66, quand je l'ai acheté, ça m'avait beaucoup troublé parce que le plastifiage avait raté et tout le livre était fripé. Donc, c'est vraiment un livre qui a un destin tout à fait étonnant. C'était une des rares fois où j'ai vu ça. C'est connu, cette première édition un peu étrange. Et donc, le livre, dès le départ, est un livre un peu de rupture. Franquin a beaucoup travaillé avec différents collaborateurs, enfin, il est toujours aux commandes de son dessin, on le sent partout. Il est accompagné de JDM, il est accompagné de Will, il est accompagné de Roba, à qui parfois il délègue un peu plus pour un album surtout. Et puis là, il décide de reprendre la main. Il veut tout redessiner tout seul et il veut commencer le scénario tout seul, alors qu'il a ces derniers temps beaucoup travaillé avec Greg, il a fait 3 livres avec Greg, qui est un dessinateur français, comme certains à cette époque-là, dessinateurs français et auteurs. Ils viennent en Belgique, c'est un peu la Mecque à ce moment-là, c'est là où il y a les éditeurs, il y a beaucoup d'éditeurs qui travaillent pour la bande dessinée pour enfants. Il se passe des choses depuis un certain nombre d'années en Belgique, ça ne se passera plus si longtemps qu'on le croit. Mais là, il se passe quelque chose, et donc il y a beaucoup d'auteurs qui viennent. D'ailleurs, Goscinny et Uderzo viennent aussi en Belgique. Et Greg arrive, et évidemment, il admire deux auteurs, c'est Hergé et Franquin. Et c'est sûr qu'il va travailler avec les deux. C'est un des rares auteurs scénaristes qui a travaillé avec Hergé et Franquin. Et c'est ce qui va faire que, comme il admire énormément Franquin et Hergé, il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour travailler avec eux. Il est prêt à faire des concessions qu'il ne fera pas avec d'autres. Parce que Greg,
qui est un dessinateur, mais un scénariste ambitieux. Il a envie de vraiment marquer son territoire et il va travailler avec beaucoup d'autres dessinateurs. Mais avec Franquin, il accepte certaines choses qu'il n'acceptera pas avec beaucoup d'autres. C'est qu'il accepte qu'il faut un petit peu ruser avec Franquin. Franquin, il est tellement en renouvellement, en créativité, qu'il ne faut pas lui dire trop vite où l'histoire va aller, parce qu'il s'enlace. Il se dit, oh là là, si brusquement on lui dit 6 mois à l'avance, 6 mois après, il voit arriver l'idée, il dit, mais ça, on connaît déjà, c'est pas surprenant. Et donc, les scénaristes doivent ruser pour ne pas trop vite raconter ce qui va se passer, parce que sinon, ben, ils changent d'idée, et donc c'est assez décourageant pour un tas de scénaristes qui donc sont assez méfiants et trouvent des ruses. Et Greg, donc, l'adore, l'admire, mais souffre un peu. Donc ça va être un moment de crise. Mais on n'en est pas encore là, puisqu'il commence le récit dans Spirou, en 61, tout seul. Il commence avec très peu de choses, en fait. Hergé, à ce moment-là, il a une méthodologie, il travaille son storyboard, même si au début, il a dû travailler comme Franquin, avec très peu de choses. Il se lançait dans leurs histoires avec une espèce de confiance en eux. Franquin, ici, il a, je crois, une page où il a noté quelques idées et on retrouvera, semble-t-il, le personnage de Zorglub. Et il se lance là-dedans avec une idée que je trouve formidable pour un début d'histoire, mais qui témoigne aussi déjà de beaucoup de choses, c'est que Spirou est énervé. Spirou descend parce que ça gueule, ça hurle, et qu'il ne va pas trouver tout de suite la source de ce son qui occupe, qui est infernal et qui occupe toute la maison. Et ça, c'est vraiment une situation très intéressante, très révélatrice, et de l'époque, et peut-être aussi de l'état d'esprit de l'auteur. D'abord, c'est que tout change. On voit que les objets en eux-mêmes se modifient, leur design se modifie. Les radios peuvent ressembler à des grippins, les grippins, ainsi de suite, à un flash. Et il a capté quelque chose des années 60, c'est ce basculement technologique où à l'époque, moi, j'avais une très, très grosse radio, c'était avec fil, ça prenait beaucoup de place, ça ronflait, et brusquement, les radios deviennent toutes petites, on peut les transporter, il y en a dans la voiture, le monde change. Et ce qui m'a toujours passionné chez ces auteurs, c'est qu'ils captent leur époque, ils saisissent leur temps, que ce soit Hergé, Jacobs et bien d'autres, comme peut-être nul autre. Ils sont vraiment des éponges de leur temps. Alors donc, Spirou est passé par différentes émotions, il est complètement... Enfin, il tombe sur le poste radio, vous voyez, il est déjà très petit. Et il savoure le silence, c'est le cas aussi de Spip. Et le son repart, qui énerve encore plus Spirou. On a une situation d'énervement. Les personnages, sont, que ce soit Spip ou Spirou, sont au bord de la crise de nerfs. Et... évidemment, ça ne va pas arranger les choses. Le fait que Fantasio amène le dernier perfectionnement, là aussi, Franquin est extrêmement visionnaire, les choses se réduisent, et c'est évidemment l'apparition, ce qui modifie les choses, c'est le transistor, c'est cette petite chose qui va faire un basculement technologique. Et comment Franquin capte cette petite idée, ce qu'il va en faire, est vraiment formidable comme témoin justement de tous ces moments au début des années 60. Alors évidemment, ce qui arrive, c'est le départ de cette histoire, c'est que le marsipilami va avaler ce transistor. Alors, le marsipilami, c'est pas rien pour André Franquin, c'est un personnage, un animal qu'il a inventé. Je vous ai dit que c'est un grand dessinateur d'animaux, il a fait une synthèse comme ça de plusieurs choses, mais il est vraiment l'émanation de ce qui lui est sans doute le plus personnel, c'est-à-dire un animal extrêmement affectueux, qui défend ses maîtres, qui en même temps a des pouvoirs incroyables, et chaque album permet à Franquin de développer un de ses nouveaux pouvoirs. Donc on va découvrir que le marsipilami peut aller
tout au fond de l'eau, qui peut aller même sous terre, qui peut parler. À chaque album, il a comme ça l'idée, il faut qu'on découvre encore quelque chose de merveilleux au Marsipilami jusqu'à cet album extrêmement poétique qui s'appelle Le Nid du Marsipilami, qui est un moment un peu de grâce où il y a uniquement concentré sur le Marsipilami et sur le fait qu'il est en train de créer une famille. Et donc, ce moment où il l'avale, c'est pas rien. On avale un transistor, ça va passer par le ventre, par la bouche. Il y a beaucoup de choses qui passent par la bouche et par le ventre dans cette histoire. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et évidemment, je voulais vous parler un petit peu de cette époque. On est donc en 61. La Belgique est un pays qui se relève de l'après-guerre assez vite. Il y a énormément de voitures américaines qui nous arrivent. Et Franquin, les voitures américaines, il va en dessiner énormément. Il va très, très bien les dessiner. Il faut dire que c'est un plaisir de dessinateur. Hein. Il faut pas se... Tandis qu'on voit les voitures européennes et les voitures américaines. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de doutes. Et puis, il y a les autostrades, comme on les appelle à l'époque. On va plus vite. Tout ça, c'est des choses qui vont se retrouver... C'est assez amusant le rapport avec la voiture française et, les autres voitures qui arrivent. On est dans ce contraste des voitures du monde et puis l'architecture qui se transforme. Tout ça va se retrouver dans les albums de Spirou et Fantasio et avec une espèce d'évidence. Il prend tout. Je n'arrive d'ailleurs pas à comprendre comment il a saisi tout ça. Les intérieurs aussi, ce style qu'on a même appelé à un moment donné le style Spirou, tellement que Franquin a incarné cette époque. Et évidemment, la cuisine, et là, cette première séquence de Spirou montre tout ce qui se modifie dans les objets du quotidien. Et nous ne sommes pas très loin de l'Expo universelle de 1958 et de ce fameux objet qu'est l'atomium, objet un peu étrange, tout à fait surprenant, et que Franquin a beaucoup dessiné. Là, les dessinateurs sont en relation, mais directe avec cet événement, le relaye et l'amplifie. C'est évidemment une période qu'on a appelée les Trente Glorieuses. On est un petit peu dans l'euphorie d'une économie florissante. Et curieusement, Franquin va vivre un des moments les plus difficiles de sa vie. Alors, on va voir donc le Marsipilami. Vous voyez, commence à se fatiguer. Il n'en peut plus. Ce transistor est en train de l'user, Spip met des tampons dans les oreilles, Spirou essaye de relativiser, mais enfin, ça va devenir de plus en plus difficile, et on commence à avoir les crises de nerfs, hein. On en a déjà eu, mais on va encore en avoir, ça use tout le monde, vous voyez là, il est totalement épuisé. Et donc, il commence cette histoire seul, et puis, il va avoir un rendez-vous avec son éditeur, Charles Dupuis, et l'éditeur, il évoque le personnage de Zorglub qui revient dans ce récit, et là l'éditeur lui dit « Ah non, ne me remettez pas encore ce personnage, ça suffit, vous avez fait deux albums avec lui, c'est bon comme ça, trouvez autre chose. » Et là il est complètement déconcerté, et il ne sait plus trop comment faire, et donc on va voir arriver un autre personnage, parce qui a été donné par Greg, parce qu'il est allé retrouver Greg pour lui dire « Écoute, sors-moi de ce mauvais pas, parce qu'il n'y a plus de Zorglub, et je ne sais plus où j'en suis, voilà, il est complètement perdu. » Et donc, il va faire quelques pages, là, en attendant de trouver la bonne histoire avec Greg, et de faire les repérages. Et là, il faut nourrir le journal, c'est une page et demie, chaque semaine, et une demi-page en couverture et une page à l'arrière. D'ailleurs, c'est très intéressant, si vous pouvez lire ce livre dans le journal, mais si vous le lisez dans les fascicules Spirou, comme ils étaient, ou les reliures Spirou, vous verrez que c'est tout un autre rythme, parce qu'en fait, les auteurs travaillent d'abord pour le journal. C'est vraiment leur rythme. On était aussi à la fin des années 70, on était encore pris par cet objectif, le journal d'abord, le livre était un petit peu la cerise sur le gâteau, et le rythme profond de ces récits ont été bien sûr altérés par le remontage que beaucoup d'auteurs ont dû faire, et surtout Franquin, parce qu'il était en couverture
du Spirou ont dû faire pour ces albums. On a certainement perdu beaucoup de choses. Hergé a fait ce genre de choses aussi entre le passage de ses albums noir et blanc à la couleur et aussi le passage de ses histoires du journal Tintin aux albums. Alors, ce qui est très drôle ici, donc, c'est qu'il il va essayer de trouver comme ça des tas de... Il s'amuse avec son personnage et la radio pour remplir avant que vraiment Greg n'ait trouvé avec lui. C'est vraiment un binôme, hein. Ils sont tous les deux à la commande, mais Greg est là pour un peu cadrer l'affaire, et heureusement d'ailleurs, et il va avoir des idées absolument formidables. Et là, on voit une séquence tout à fait troublante aussi, pour un journal pour enfants. On a donc le Marsipilami qui passe avec sa radio tonitruante, qui crée un tas de troubles, comme vous l'avez vu avec le musicien qui brusquement joue de la merveille, qui joue à merveille de la musique. Et ici, on voit quelqu'un qui essaye de téléphoner à sa femme et qui essaye de lui expliquer « j'en ai encore pour des heures, tout seul, dans ce triste bureau ». Évidemment, comme le Marsipilami arrive, ça perturbe complètement ce dialogue au téléphone. Et sa femme est convaincue, évidemment, qu'il est au bar. Et donc, non, mon poulet, c'est étrange, c'est un animal jaune qui fait cette musique. Il est entré par la fenêtre, jaune à pois noirs. Il y a une queue de plusieurs mètres. Évidemment, sa femme lui dit « mais tu délires, ma parole, qu'as-tu bu? Je te conseille de rentrer à la maison et vite, je vais t'en faire, moi, de la musique. » Et il part, « jamais elle ne me croira, donc j'aurai des ennuis. Bon, y aurait-il un bar vraiment marrant ?» Donc, on voit, c'est un monsieur un peu dépressif qui n'a pas à avoir une vie très, très rigolote. Et cette séquence a été coupée. Parce que bon, il a tellement explosé sur ce récit qu'il a dû à un moment donné remettre de l'ordre. Et cette séquence que je trouve très très amusante, mais qui en même temps témoigne aussi de beaucoup de choses qui vont lui arriver. Vous voyez, j'aime bien vous montrer les planches en noir et blanc parce qu'on voit la force du dessin et la vitalité, l'énergie qu'il y a chez ce dessinateur. Et donc, oui, c'est une séquence tout à fait troublante, et l'histoire continue, ça y est, je pense que Greg et Franquin ont trouvé le bon chemin, et il va se passer quand même une chose tout à fait surprenante, évidemment, vous connaissez, la radio s'arrête à un moment donné, c'est plus le cas aujourd'hui, mais la radio s'arrêtait vers, je sais pas moi, vers minuit, une heure, et tout le monde peut aller dormir, et puis évidemment, il y a le retour des émissions, et vous voyez le réveil tonitruant. Et là, on va voir quelque chose d'extraordinaire pour moi et qui m'a vraiment frappé, si pas traumatisé, quand j'étais enfant. C'est que plus personne ne supporte ça. Et l'animal, cet animal si chéri, cet animal que Franquin aime tant dessiner, qui est son âme la plus poétique et la plus sincère, cet animal s'envoie... sa queue, un nœud qu'il a fait dans sa queue dans le visage, comme s'il voulait se suicider, comme s'il ne se supportait plus. Fantasio dit « il devient fou », mais c'est vraiment une image. Vous voyez la force et le désir que ça s'arrête, qu'on n'en peut plus. Vraiment, je trouve une puissance dans cette image. Et puis, regardez, il s'effondre littéralement. Le choc est d'une brutalité incroyable. Et Spirou et Fantasio sont consternés, effrayés. Et Spip dit « voici la première victime ». Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, dont l'auteur lui-même. Et bon, voilà, maintenant les choses vont. Le récit va se remettre vraiment sur les rails et Greg a une idée formidable. Il a un voisin qui est radio-amateur et il a cette idée tout à fait géniale de dire les problèmes du Marsipilami sont dus au fait que ça perturbe les ondes d'un radio-amateur qui est en contact avec un pays lointain, le Bretzelburg. Et c'est là où il trouve évidemment le nœud, la clé du problème. Ce qui est magnifique quand il pose la maison du radio amateur, c'est que vous voyez tous les petits détails amusants. Il y a le chat, évidemment, il y a les antennes qui sont vraiment spécifiques à cette époque. Et regardez, il y a un tout petit détail formidable. Il y a une chaise en dessous d'un arbre. Et ça nous dit que
ils travaillent ces personnages pas seulement dans leur physique, dans leur attitude, mais aussi tout une, ce monsieur, eh bien, il se met parfois en dessous de son arbre calmement. Il n'y en a pas deux, il est célibataire, il y a une chaise, comme ça. Et en fait, de nouveau, à chaque fois, on voit bien comme il aime nourrir son dessin de plein de petites choses. Ça va être encore plus fort chez Gaston. Chez Spirou, il y a d'abord l'efficacité, l'aventure, et puis il y a le rythme trépidant de production. Alors on voit qu'il a fait un repérage, parce qu'il est allé chez ce radio amateur, il a fait un repérage. On voit que le matériel est extrêmement précis, presque même se détache du reste, un réalisme troublant. Et ça, je trouve ça très, très, très intéressant. C'est ce qui fait aussi la crédibilité des récits de Franquin. C'est qu'il revient toujours à l'observation du réel et qu'il a besoin d'avoir ce genre de détails pour crédibiliser son récit. Alors, vous voyez, vraiment, c'est assez troublant. Il manque rien. Il manque vraiment rien. Alors, voilà, on voit ce radio amateur très, très inquiet parce qu'évidemment, il essaye de cerner l'endroit d'où viennent ces perturbations d'ondes et... on le voit. Alors là, de nouveau, Fantasio, vous voyez, réveillé, il est de mauvaise humeur, il n'en peut plus, on le réveille très tôt, à l'aube, et en pyjama, ce pyjama qui va lui rester jusqu'à la fin de l'histoire. Et évidemment, l'histoire, je vous conseille évidemment de la lire, on voit comme les réveils peuvent être douloureux. Regardez comme ça pèse, regardez comme les gestes sont vraiment difficiles. Franquin, c'est vraiment incarner tout ça. Regardez les pieds, comment les jambes se mettent. Il s'en mêle presque les jambes tellement que c'est un... Ça, il n'y a pas de hasard, il sait ce que c'est. Et voilà, évidemment, ce radio amateur va très vite se rendre compte que tous les problèmes viennent du marsipilami. Et alors là, on sent les effets à la grecque. C'est des textes qui sont plus grands. Il aime ça, il aime marquer parfois des intentions, appuyer ses intentions. On va retrouver ça plus tard dans beaucoup des bandes dessinées qu'il va faire pour Dany, pour Herman, parfois des intentions un peu trop appuyées. Alors voilà encore une case qui montre tout le talent magnifique de cet auteur. C'est une clinique pour vétérinaires, une clinique très moderne. Et vous voyez, moi j'adore le singe avec son peignoir là, un petit peu âgé, la dame avec le perroquet, tous les petits détails. Et j'adore aussi le vétérinaire. Il dit, vous comprenez, madame, l'ennemi pour lui, c'est le poids. Il doit perdre toute cette graisse superflue. Et pour son foie, docteur, lui demande la propriétaire de l'oiseau. Voilà, c'est ce qui fait qu'évidemment, Franquin rajoute des tas de petites choses. Et c'est ce qui fait que Greg, en même temps, est émerveillé et en même temps a des difficultés à organiser son récit parce qu'il doit récupérer ses débordements. Alors là, j'aime beaucoup aussi la façon dont les choses vont se passer simultanément. Là, c'est vraiment tout le talent de Greg, le Fantasio, évidemment, qui va être pris pour le radio amateur et aussi les sbires de ce fameux Bretzelburg. Où ils vont essayer d'enlever le radio amateur, parce qu'ils ont décelé évidemment que ce roi était en contact avec un Européen, enfin quelqu'un. Alors c'est assez amusant, on pourrait faire beaucoup de liens avec évidemment Hergé. On n'est pas loin du sceptre d'Ottokar. Il faut vraiment. Ce pays, la Belgique, a comme ça généré cette espèce d'idée de petit pays. De petits pays indépendants, gérés par un roi. Ces deux livres font un petit peu écho entre eux, et c'est assez amusant. Alors, c'est un livre que beaucoup d'auteurs qui aiment la bande dessinée adorent. Marcel Gottlieb, par exemple, adorait ce livre. Évidemment, il y a le rapport à la dépression. Ce roi est sous médicaments. Hein, et Il est un petit peu écrasé par des généraux qui profitent de sa faiblesse, mais qui l'entretiennent. Et il y a là tout un concept assez... Et puis il y a ce,
ce château assez inquiétant où Fantasio va se retrouver et va être pris dans un ensemble de contraintes, puisqu'on va essayer de le faire parler pour comprendre ce qui se passe. On voit ici le général, enfin, je ne sais plus quel grade il a, et qui en fait joue sur plusieurs pays à la fois pour entretenir et pour profiter au niveau de la vente des armes. Et c'est un récit très 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 adulte en fait pour Franquin. Il y a des tas de dimensions qui appartiennent vraiment, qui s'éloignent d'un récit pour enfants. Et particulièrement dans celui-ci, au cœur de celui-ci, il avance de plus en plus avec des dimensions troublantes où il ose faire des choses que peut-être personne n'oserait faire dans un livre pour enfants. Alors ici, ça a une séquence qui me plaît beaucoup, évidemment, pas seulement parce qu'il y a des trains, parce que, Franquin, soucieux toujours de la crédibilité, de rendre ça très, très vraisemblable, voulait absolument, pour dessiner cette séquence, il est allé à Bruxelles, dans le quartier de Schaerbeek, où il y a le train noir maintenant, il y est allé pour faire un repérage. Et c'est un endroit que je connais bien, que je fréquente beaucoup. Et dans ce dépôt de Schaerbeek, il est allé faire une série d'esquisses pour vraiment saisir tous les détails des engins. Et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement réaliste. Alors bon, on a évidemment encore des réminiscences de l'occupation, des réminiscences. Alors ce Bretzelburg a évidemment des petits liens avec l'Allemagne, et il ne s'en prive pas avec des chiens qui sont particulièrement agressifs. Et ça nous vaut vraiment une séquence d'anthologie, parce que ça peut être extrêmement compliqué de gérer ça, parce que les locomotives, je les connais bien, c'est bourré de détails. Et la façon dont il simplifie les éléments à l'arrière, pour que de nouveau on regarde au bon endroit, c'est tout à fait remarquable. Et en même temps, tous les détails sont là. Vous voyez les deux voitures, les deux qui sont rattachées, il ne manque rien. Il a tout pris en photo et il retranscrit ça avec beaucoup de réalisme. Et en même temps, on ne se perd jamais dans la case. Là, c'est des séquences extrêmement dynamiques, avec des effets de perspective au bon moment. Et vous voyez tout ce qui se passe, tous les petits détails qui se passent, et la façon dont le mouvement est rendu, tout en gardant ce climat ferroviaire, en le suggérant parfois à l'extrême, plus que la silhouette, une silhouette qui est comme ça, même claire, même pas besoin d'ombre, pour bien faire ressortir les personnages. Il veut faire rire, il veut donner le sentiment d'aventure, mais il veut aussi que ce soit extrêmement lisible. Et là, ça, on voit de nouveau, un petit peu comme on l'a vu sur Gaston, comment il décompose, comment une case est faite de plusieurs séquences, en réalité. Beaucoup d'auteurs auraient mis plusieurs cases. En une seule, on sent que la caisse a été déposée, qu'à ce moment-là, Spirou rentre dedans, la caisse va tomber sur le radioamateur, et en même temps, il y a le chien qui arrive. C'est incroyable tout ce qui se passe en une case. C'est un concentré de récits qui réussit à faire. Et là, on voit la dynamique de la planche qui est tout à fait incroyable. Et puis, jusqu'à retrouver cette chose. Il faut signaler un truc amusant, c'est que ces planches ont toutes la même hauteur et ont un certain nombre de critères, parce que le papier, en fait, était donné par l'éditeur. Et le papier avait déjà, en bleu, avait déjà marqué les lignes qui permettent d'inscrire le texte. Et donc, les auteurs recevaient ça. Donc, le papier et le traçage, je dirais, préparatoire aux bulles, aux phylactères, ce qui fait que ça leur faisait gagner du temps. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on retrouve comme ça une forme d'écriture. Et quand il fallait couper... Je crois qu'il y avait même déjà les cases comme ça, et qu'il fallait juste les interrompre pour faire les espaces inter-iconiques, comme disait Benoît, quand c'était une séquence. Donc vous voyez, c'est toujours le même rythme. Donc vous voyez comment il a
rendu cette locomotive dans tous ses détails. Alors on est en 61, donc la vapeur est toujours là, mais on est en train d'électrifier évidemment la plupart des lignes, mais pour lui il y a un plaisir à dessiner une locomotive à vapeur et il ne s'en prive pas, parce que c'est avant tout un dessinateur qui prend du plaisir et tous les détails sont là pour crédibiliser, c'est toujours au service du récit, il veut rien lâcher. Alors on approche du moment clé de cette histoire, un moment où il va s'interrompre. Et donc, un moment tout à fait troublant, puisqu'il y a un personnage, une espèce de docteur Mengele, comme ça, un personnage qui est en même temps scientifique, en même temps, et qui est là pour faire parler Fantasio, et qui va lui faire parler, parce qu'on est quand même dans un journal pour enfants, d'une façon tout à fait curieuse, puisqu'ils vont passer à l'épreuve de la craie qui crisse sur le tableau noir pour faire avouer Fantasio. Et c'est une véritable torture, évidemment, une torture qu'on ressent vraiment physiquement. Donc on voit la façon dont Fantasio, en plus déjà la torture, c'est qu'il n'a pas de chaussures, il est toujours à pieds nus, on voit que ses pieds sont sales. Donc il y a plein de rapport à la souffrance dans cette page. Et évidemment, le fameux docteur Kilikil, qui lui s'est bien mis de quoi ne pas entendre évidemment ce qu'il est en train de faire, fait des choses absolument épouvantables. Alors là, je ne sais pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment extrêmement, extrêmement violent comme séquence. Et ce qui va se passer, c'est que c'est là où Franquin va s'arrêter. Et, alors, l'histoire qu'il raconte, c'est qu'il a... c'est assez bizarre parce que c'est à cet endroit-là qu'il s'est arrêté et en même temps il dit qu'on ne voit pas très bien où. Il était en train de dessiner une commode Louis XV, je crois, et il s'est arrêté. Il a dit « je ne sais pas la faire bon, ». Alors pour un dessinateur qui sait tout dessiner, c'est tout à fait anormal. Et il est remonté dans son lit et il va y rester un an et demi. C'est un burn-out, c'est une crise comme il n'en a, enfin, il n'a jamais vécu ça. Évidemment, il a une hépatite virale, il a beaucoup de choses, mais c'est plus que ça. Donc, avec JDM, il continue Gaston laborieusement, mais les aventures de Spirou et Fantasio vont s'arrêter pendant plus d'un an. Et la rédaction essaye de trouver des explications sur le fait que l'auteur est fatigué, que l'auteur est... Et c'est assez troublant de voir ça parce que beaucoup de points communs, on n'est pas très loin non plus du moment où Hergé fait Tintin au Tibet. Et c'est aussi un livre où il va avoir d'énormes doutes, hein, qui va vivre une crise aussi. Il va aussi, non pas s'arrêter, mais ça va être vraiment sujet à beaucoup de questionnements. Et ces deux auteurs, qui sont vraiment les deux grands maîtres de l'époque, qui font écho, il y a beaucoup de choses à dire encore sur ces liens et en même temps ces différences entre ces deux génies de la bande dessinée. Alors évidemment, à un moment donné, le docteur Kilikil, évidemment, se prend la craie dans l'ongle et dans la main, ce qui fait éclater de rire Fantasio, parce qu'il faut quand même que ça finisse. Mais ça a été compliqué, je ne sais pas exactement à quelle case il s'est arrêté, ni à quel moment il reprend. Toujours est-il qu'à un moment donné, après un an et demi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont trouvé peut-être les bons médicaments, et il est reparti avec autant d'énergie et autant de talent. C'est tout à fait surprenant. Et le récit va repartir. Mais on se dit quand même, voilà un récit qui témoigne énormément de ce qu'il traverse, de ses inquiétudes. Et ce burn-out, ce phénoménal, cette dépression, même si certains ne veulent pas entendre le mot, elle est dans l'histoire. Et sa souffrance, elle est dans l'histoire, sans bien sûr que ce soit une autobiographie. Tout est là, tout est au cœur de ce récit. Évidemment, le Marsipulami va retrouver son énergie, comme Franquin. J'adore la sortie des vétérinaires qui ont essayé qui disent « grâce à l'aide du jardinier, nous avons enfermé l'animal dans la cave, mais ce Marsipulami a manifestement retrouvé toute sa santé ». Incroyable comme les récits peuvent suivre leur auteur, comme les récits peuvent être en écho, en amplificateur
de choses que vous vivez très personnellement, sans pour ça jamais mettre le mot autobiographie. Oui, ça, j'adore aussi cette formidable case au centre où on voit le singe qui regarde à travers la fenêtre de la clinique vétérinaire. Ce sont tous des petits détails qui sont un peu tristes et qui, en même temps, sont drôles et amusants. Voyez l'énergie aussi, le Marsipilami va repartir chercher ses maîtres et va traverser des kilomètres et des kilomètres. J'adore cette case, bien sûr parce qu'elle est drôle, mais aussi par regarder comment il raconte toute son époque. Donc on a vu les locomotives à vapeur, mais on voit déjà les électriques qui sont là, et puis comment il raconte cette banlieue, comment les personnages qui rentrent du boulot, le petit pont. Alors ce qui est formidable avec Franquin, c'est que on peut se perdre comme ça, on peut aller dans tous les petits détails. On n'a jamais fini d'explorer les dessins de Franquin. Ça, c'est des leçons que personnellement, je crois que j'ai essayé qu'on a essayé de retrouver. C'est comment faire revenir le lecteur pour qu'il ait toujours du plaisir, pour que ça ne s'arrête jamais. Et ça aussi, c'est une façon de montrer comment il saisit. C'est la longue traversée qu'a dû faire le Marsipilami devant ses villages, en passant par les forêts, les jardins. Il y a un souffle et il y a une énergie formidable. Alors, en fait, il faut que je me dépêche, c'est ça. Bon, alors il y a encore des séquences absolument invraisemblables et tellement révélatrices du talent de Franquin, presque visionnaire. Là, donc, ils arrivent enfin au Bretzelburg, hein, Spirou et Fantasio, une séquence que je trouve formidable, où en fait, dans les bus, il faut pédaler. Il faut pédaler, c'est une idée géniale. Et alors, évidemment, quand on est poli, eh ben, on prend la place des personnes âgées parce que ça leur évite de pédaler. Donc il a retourné, je crois que c'est une idée de Greg d'ailleurs, il a retourné complètement la situation. Et évidemment, c'est ceux qui pédalent qui ont du mal et c'est ceux qui sont debout qui ont le plus facile. Et en plus, chose qui se rajoute à ça, c'est que les conducteurs de bus se font des courses pour essayer d'arriver les premiers. Alors là, il y a vraiment une idée formidable. Et en plus, ils font ça au tambour, comme à l'époque des galères. Donc, ce pays très, très pauvre, et avec aussi beaucoup de gens déprimés. Hein. Évidemment, c'est l'armée qui prend tous les moyens. Et donc, on pédale dans les bus. Et tout est comme ça. Ce Bretzelburg est vraiment formidable. On veut manger ce pipe, on est prêt à tout pour manger. Il y a beaucoup de choses qui se passent par l'estomac. Et bon, quand ce n'est pas avaler des transistors, c'est vouloir avaler des écureuils. Et puis, évidemment, il y a toujours le fait qu'on veut manipuler et qu'on donne ce qu'il faut pour que ce petit roi reste complètement en dehors de la réalité et puisse évidemment accepter de signer tout et n'importe quoi. Bon, alors on va aller un peu plus vite. Ce qui est incroyable, je vous parle du rapport à la nourriture, mais ici on a une séquence, donc Fantasio est non seulement pieds nus, il y a une séquence que je ne l'ai pas montrée, mais on l'oblige à lui mettre des chaussures trop petites. Vraiment, on est dans des rapports de souffrance absolument incroyables. Et là, par contre, on l'affame et on lui montre, bon là, c'est la façon dont aussi il y a deux actions simultanées avec le petit roi à qui on impose de signer des commandes absolument invraisemblables au niveau militaire. Et là, Fantasio résiste, mais il est très difficile de résister à la nourriture et en fait, et au petit roi de signer, c'est Spirou qui va l'empêcher de signer. Donc en fait, voilà, tout plein de séquences absolument admirables sur ce rapport au pouvoir et ce rapport à la perte de pouvoir. Et puis, la séquence de la nourriture, là, on sent que Franquin aime manger parce que j'adore cette séquence où le Marsipilami regarde son maître, mais regarde aussi, il n'a rien mangé depuis très longtemps, regarde aussi toute la nourriture qu'il y a autour de lui. Et c'est tellement, quand on a des animaux, on comprend très bien cette attitude. Il y a un moment donné de doute, où faut-il aller? Et alors j'adore, parce que la cuisine est faite avec une espèce de réalité. La première séquence est magnifique aussi. Et là, on voit qui sait ce que c'est qu'un médicament et qu'un antidépresseur. Il verse ce qu'on lui donne dans la plante, et la plante brusquement s'effondre. C'est incroyable tout ce qu'il y a dans cette histoire qui fait que
elle résonne. Et bon, regardez la façon dont le marsipilami se goinfre. C'est un bonheur, on a envie d'être dans cette cuisine. Ça sent bon, ça respire, le saucisson est tellement vivant. Et c'est une séquence que... Alors évidemment, après, il y a tout un combat dans cette cuisine, à mourir de rire, où le marsipilami repu arrive quand même à dominer la situation, parce qu'il reste un animal incroyablement puissant. Et puis là, on mange aussi chez les manipulateurs, les marchands et les généraux. On mange et on boit. C'est depuis le début. Alors voilà le combat homérique, où la nourriture vole de tous côtés. Tous les détails sont extrêmement précis. Franquin aime manger, hein, ça, faut pas douter, mais il aime dessiner ce qu'il mange, et ça, c'est vraiment très, 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 très jubilatoire. La façon dont Fantasio découpe le roast beef, par exemple, c'est très, très... C'est rare de voir ça, comment il pose la fourchette. On a envie d'être avec lui, quoi. Pourtant, je ne suis pas mangeur de viande, mais... Voilà, là aussi, alors regardez le marsipilami repu, c'est vraiment jubilatoire. Et ça, c'est une séquence que j'ai gardée en moi, c'est la façon dont ils sortent un peu comme ça, un peu lourd et en même temps, et hips, le hoquet du marsipilami avec un grand sourire. L'histoire, bien sûr, va tout doucement arriver à sa fin. Et avec à chaque fois des cases extrêmement dynamiques. J'adore cette case. Là aussi, on voit tout le sens du mouvement et on voit comment Franquin crée plusieurs points de fuite, je dirais. L'arrivée, évidemment, du char avec ses soldats, mais aussi, regardez, les petits détails qu'il réussit encore à mettre sur le haut de la case pour donner le sentiment qu'il y a un espace sur lequel on peut s'enfouir. Il a vraiment une gestion de l'espace pour que l'œil rebondisse. Voilà encore des détails que je vous ai déjà montrés. Et puis évidemment, la manipulation où le petit roi se rend compte, c'est quand même une histoire très, très, très d'actualité, qu'on lui a vendu des armes qui n'en font pas, des fusées qui n'en sont pas, que tout ça, c'est du toc. C'est assez amusant comment ça résonne aujourd'hui avec ce qui arrive. Et évidemment, il va avoir des surprises. Ce petit roi va retrouver toute son énergie. Ça, c'est une des cases que Marcel Gottlieb adorait, parce que il ne montre pas le geste, il montre juste la conséquence du siège qui fracasse la porte et le général qui se rend compte qu'il a en face de lui quelqu'un de tout à fait différent maintenant. Et ça, c'est vraiment... Alors, on voit toute la façon dont ces deux hommes, évidemment, manipulent ce roi. Je vais terminer. En fait, l'histoire, j'ai passé beaucoup d'éléments. Il y a maintenant une édition qui reprend l'intégralité de ce récit avec les éléments qui ont été coupés, heureusement, parce que tout est bon. Dans ce récit, il n'y avait rien acheté, mais il fallait correspondre au timing. Alors, c'est un récit clé, c'est un récit, il y aura un avant et un après. Franquin n'est plus le même quand il termine cette histoire. C'est la dernière grande aventure, en fait, que Franquin fait. Après, ce qui va se passer, c'est que il va se remettre à faire un nouveau Spirou, c'est Panade à Champignac, et c'est un peu la panade. Il recommence les mêmes erreurs, il repart sur une histoire avec très peu de choses sur la page, et puis il se rend compte qu'il n'en sort plus. Il fait appel à ses amis Payot et Gosse pour un peu le sauver de cette situation. Et c'est la panade, le récit tourne en rond, et il prend la décision extrêmement courageuse de s'arrêter, de faire Spirou. Il dit, en fait, il n'y croit plus. C'était la dernière grande aventure. C'était le moment où il était en phase avec ses personnages, en phase avec l'énergie de ses personnages. Panade montre bien que ce monde se termine, qu'on entre dans un autre espace. Et c'est formidable d'avoir le courage de fermer ce cycle avec avec ce talent, avec cette énergie, la conscience de dire « je ne peux plus rien faire, je crois que j'ai fait ce que je devais faire ». Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui savent le faire, et ça a été pour moi un exemple. C'était un exemple pour beaucoup de choses. C'est un auteur qui était extrêmement généreux avec les jeunes auteurs, extrêmement curieux. Je me rappelle encore qu'il me téléphonait pour me donner des conseils. C'est incroyable, ça, quand vous avez Franquin au bout du fil qui vous donne des conseils, vous n'êtes pas prêt d'oublier ce qu'il vous dit. Et il y avait cette générosité, il y avait cette curiosité, cette bienveillance,
vis-à-vis des jeunes auteurs. À un moment, peut-être, il s'éloignait du journal Spirou, qui ne correspondait plus du tout. Il allait bientôt regarder plutôt du côté de la France, avec Flux Glacial, avec ses amis Gottlieb et Bretéché. Et il est dans un moment un peu clé. Il est extraordinairement accueillant vis-à-vis de la jeune bande dessinée. Et ce moment clé, donc ce moment un peu phare, évidemment, annonce quelque part tout le talent qu'il va mettre dans Gaston, un peu ce personnage, un peu comme ça, toujours un peu nonchalant, mais en même temps génial, en même temps remarquable. Et ça annonce aussi, bien sûr, les idées noires. Il ne perdra jamais tout à fait ce qu'il a découvert, ce monde un peu plus sombre qu'il a révélé et qui a construit cette histoire. Et c'est ça qui fait qu'on a un récit tout à fait unique. Merci.